Salut les refs, c'est Sky et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur GTA V. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle technique after patch, enfin une nouvelle technique mock strip, une nouvelle technique pour avoir des véhicules. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, simplement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et puis voilà, sans plus tarder, on est parti. Donc là, tout simplement, vous allez devoir tout simplement vous rendre dans votre suite avec terrasse. Voilà. Et vous attendez de spawn. Voilà, tout simplement. Dès que vous allez spawn, vous allez tout simplement, je vais vous dire les bases, ce qu'il va falloir avoir pour, bien évidemment, pour le don de véhicule normaux et le mock. Vous aurez besoin de la suite avec terrasse, vous aurez besoin d'un complexe, accompagné d'un ami, bien sûr, votre complexe rempli de véhicules de PNJ, absolument, ou rempli par d'autres véhicules, genre des véhicules modés ou des GH8. Si genre vous l'en voulez juste un, c'est pas grave. Voilà, tout simplement. Donc voilà, tout simplement, là ce que voilà tout ce qu'il faut. Bien sûr un hélicoptère aussi, mais c'est pas obligé. Et là tout simplement voilà, donc vous allez vous bug tout simplement. Et là tout simplement, ce que vous allez... Et là vous rejoignez tout simplement Anamok, voilà. Dès que vous avez rejoint un vous attendez les récupérations de détails. Dès que vous avez pris le message flèche à droite spam X, vous spammez tous les messages. Vous maintenez pas un état-il jusqu'à temps que vous spawnez. Et ensuite, dès que ça s'est fait, vous défilez dans le menu interaction jusqu'à temps que ça vous appelle. Voilà. Là, après vous quittez le menu interaction. Ensuite, vous allez faire casino. Demi-tour. Un petit rond. Casino, second demi-tour, mais cette fois-ci ce sera pas casino, ce sera là faire sortir la suite avec terrasse. Et là, c'est ça que c'est fait, vu que c'est du mock, vous appelez votre centre d'opération mobile maintenant, absolument. Et dès qu'elle a spawn directement, vous allez du coup dans le casino, absolument faire ça. Vous attendez, voilà. Si vous spawnez comme moi dans la vidéo, c'est pas grave, je vais vous montrer comment faire pour se décoincer. Soit vous avez acheté dans gardien d'appareil aérien, vous avez acheté Frogger, soit vous allez tout simplement voir la serveuse qui est là-bas et vous allez lui demander un whisky. Donc le whisky, c'est le whisky Macbeth, donc c'est celui-là, il est gratuit, un shoot un évanouissement, donc ça c'est plutôt pas mal. Évanouissement, excuse-moi. Et là, donc moi, vu que moi je vais faire simple, et là vous allez faire service clientèle, gardien d'appareil aérien, Frogger. Là vous attendez que la cinématique se termine. Dès que la cinématique s'est terminée, vous êtes normalement en OTR. Si votre centre d'OP a spawn à droite ou à gauche, vous allez, si jamais il a spawn à droite, vous allez à la droite. Si jamais il a spawn à la gauche, vous allez à la gauche. Et moi, vu que mon ami très sympa a ramené mon centre d'opération mobile, donc merci à lui, ça n'a un peu servi trop à rien parce que il a spawn, ouais, c'est une moto, ça ne servait un peu à rien parce que, en fait, j'ai pas réussi, j'ai pas mis... une liquide dedans. Si ça vous fait comme dans la vidéo, vous n'avez pas mis votre véhicule personnel, vous n'avez pas fait un remplacement, vous faites et vous avez bien mis dans votre garage. Moi bon, c'est juste parce que la moto allait rester, parce que je voulais faire des échanges, voire des écrasements, voilà, des véhicules spéciaux origine alors un véhicule spéciaux normal, enfin, modé. Donc là
juste tout simplement faire son opération dans l'île, voilà. Et après, donc vous allez sur le site Beniz et après sur le truc, et bien voilà, c'est fini, et on se retrouve à toutes, à tout de suite. Et dès que vous êtes ici, vous allez bien, du coup, bah voilà, que votre ligue a bien été confirmée dans votre centre d'opération mobile, vous faites véhicule en posant centre de paix, et là, donc là, bon, j'attends évidemment parce que j'ai commandé ma moto et je devrais attendre. Donc voilà, dès que c'est bon, vous pouvez commander le véhicule personnel. Enfin, vous pouvez, si vous n'avez pas la mémoire que moi. Simplement. Là, vous allez du coup aller vers votre Eli. Ouais, tout simplement. Voilà, on se trouve à tout de suite dès qu'on est au club de street. À tout de suite. Voilà, dès que vous êtes au club de street, vous allez tout simplement vous coller sur la barrière. Donc avec votre Eligir à chute, vous allez vous coller sur les deux barres. Simplement. Moi, j'ai du mal à faire. En fait, je suis trop sérieux. J'ai pas envie de voir genre rater. Un peu chiant. Et que ils devaient bien évidemment avoir le message. Donc en gros, le point. Et ensuite, vous faites flèche droite et ça vous fait une animation buggée. Dès que ça vous fait une animation buggée ou que vous sentez vous bug complètement, se jette partout. Là, c'est très simple. Là, votre ami va tout simplement sortir du véhicule. Ou vous. Votre ami va sortir de votre véhicule. Et de son véhicule que vous voulez prendre, souhaitez prendre. Et va appeler, du coup, son centre d'opération mobile. Voilà, tout simplement. Donc, dès que vous êtes dedans, votre ami va vous inviter dans le centre d'opé. Tout simplement. Voilà, on attend. Voilà, dès que vous invitez, vous affichez en grand, maintenez option, et dès que vous appuyez sur X, vous lâchez option. Simplement. Donc moi, j'ai pas réussi. Vu que moi, j'ai pas réussi, je fais un déco, vous faites un déco reco si vous n'avez pas réussi, sinon vous êtes bien dans le menu, et vous pouvez quitter GTA Online. Moi, je vais faire un déco reco, tout simplement, je retourne à GTA 5. On se voit tout de suite. Voilà, tout simplement, dès que vous avez spawn, du coup, en mode GTA Online, sûr que vous êtes retourné en mode histoire et que vous exprimez mon histoire, faites créer une nouvelle session sur ami ou invitation. Et voilà. Et ensuite, ça vous fait spawn. Dès que ça vous fait spawn, normalement, vous avez bien votre transfert. Donc, moi, je me suis trompé. J'étais à l'atelier de customisation. C'est un peu normal. Des fois, ça trompe. Et des fois, notre joystick part en couille. Donc, du coup, ça fait que ça m'a mis à l'atelier de customisation. Ça a failli donner, bien sûr. J'ai rigolé, bien sûr. Donc, voilà. Donc, dès que vous êtes là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir tout simplement commander dans votre centre de paix votre véhicule personnel. Et vu que vous êtes plus bugué, évidemment, il va spawn à côté. Et vous êtes censé avoir bien votre voiture que vous souhaitez simplement prendre. Et voilà, donc j'ai bien ma Rebla GTS. Et puis voilà. Et donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et voilà, et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sky. Peace.